réaction yo pas suspend tomber après visite délégation OEA dans pays d'Haïti qui était visé rencontrer différents acteurs qui concernaient dans crise politique qui a brassé le pays d'Haïti depuis quelque temps dans l'idée pour joindre éventuel accord qui faciliter organisation prochaine élection. Donc c'est point ça nous va développer pour vous, restez branché n'a tourner. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure côté nous entrer la caou n'a dit merci parce que branché n'a dit bienvenue soit à peine connecté. J'aime dire annonce les réactions pas suspendre tomber bon côté différents acteurs qui concernent la crise politique pays d'Haïti après visite délégation OEA te fait dans pays d'Haïti pour te rencontrer chita discuter avec acteurs ça dans l'idée pour comment on est capable de joindre une solution avec crise qui a brassé le pays d'Haïti depuis quelque temps. Si pour un groupe dans opposition politique là et rencontre avec délégation OEA c'était une nécessité et une façon pour être capable présenter cahier de charge donc et ensemble de revendications ensemble de griefs que gagné par rapport avec gouvernement en place là pour l'autre acteur dans la classe politique là visite délégation OEA dans pays d'Haïti c'est un soufflement à ça pour acteurs politiques qui pas jamais décidé chiter ensemble pour joindre une solution sans étranger pas besoin entrer dans affaire interne pays d'Haïti donc c'est pour ça nous pour analyser n'a dit rester là pas débrancher n'a tourner. Jeune Sodjoulan, nous connaissons depuis 8 juin qui se passait, il y a une délégation, organisation État américain qui entrait dans le pays d'Haïti. Dans l'idée pour Téchita discuter avec différents acteurs qui concernaient une crise sans pareil Haïti à faire face, jeune jeudi. Nous connaissons depuis le président républicain Jovenel Moïse, il prend investiture dans notre pays le 7 février 2017. Donc, automatiquement, il y a une crise qui est déclarée et jusqu'à présent, que ça n'est pas jamais suspendre. Au contraire, au lieu de gagner amélioration, c'est aggravé. La crise n'est pas aggravé. Et ça, au cas où on voit chaque acteur qui concerne la crise sans paraître ça, il est capable sous position, il est sous position pour le faire par eux. Donc, il n'a pas décidé de céder, il n'a pas décidé de capituler. Donc, chaque monde a cherché une formule qui est capable, de façon par eux, de faire sortir, gagner la crise. Mais pourtant, le véritable perdant, c'est la population haïtienne. Et si nous remontons dans le temps par rapport à la crise qui vient aujourd'hui, après, depuis la fondation de la République d'Haïti, le 1er janvier 1840, nous avons ces crises sous crise qui n'ont jamais suspendu fini dans le pays d'Haïti. Donc, si nous avons pour exemple, nous avons à partir du 1er janvier 1804, une crise qui est déclarée dans le pays. Nous connaissons Jean-Jacques Dessalines, c'est lui-même qui était notre tête l'armée indigène. Dans le moment où Haïti a pris l'indépendance, et côté dernier bataille, c'était le 18 novembre 1803. Donc, à partir de 1804, à partir du 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines devient premier président du pays d'Haïti. Donc, on dit 2 ans après, on dit Haïti qui c'était deuxième pays dans l'Amérique qui prend indépendance après les États-Unis qui prend indépendance lui-même en 1776. Donc, automatiquement, Haïti finit pour indépendance. Quand il finit pour indépendance, c'est la crise qui était éclatée dans le pays. Donc, après les États-Unis, il y a un facteur qui fait même éviter une série de crises. C'est parce que leur fin pour indépendance, ils ont déjà une tête pour construire un pays. Donc, nous-mêmes, après indépendance, nous, qui ça nous fait, c'est la crise nous créer. Et pour exemple de crise nucléaire, après Jean-Jacques Dessalines, il fin nommé président de la République, ou après, et décision de prendre, c'était pour nommer tête empereur à vie. Donc, après Pétion avec le général qui était livré combat dans la bataille pour l'indépendance, ou après, automatiquement, eux-mêmes, ils viennent commencer à comploter contre l'empereur, contre Jean-Jacques Dessalines, parce que nommé tête à vie, eux-mêmes, ils ont besoin de passer coup par eux. Donc, ça a fait, automatiquement, nous, indépendants, crise a commencé. Si nous allons plus loin, on après au fin tuer Dessalines le 17 octobre 1806. Donc pays li vin divisé en deux, on va joindre Pétion en bord, il prend zone ouest là, on après Christophe lui-même, il prend zone nord là et te gagne Rigoto qui était prend zone sud là. Donc c'est pour nous trop comment décision nous t'a prendre depuis le nous fin indépendance de décision qui t'a compromettre avenir pays hein. Parce que nous ne pouvons jamais prendre de décisions équilibrées, mais plutôt c'est de décisions partisanes, de décisions personnelles, nous apprenons qui partent vraiment dans l'intérêt de la population et qui partent épargner Haïti de ensemble de crises depuis tantôt 200 ans. Nous venons retour avec le temps, crise s'est multiplié, et c'est ça tout qui nous fait Haïti subir plusieurs occupations, et parmi ces occupations, et 1915 ans, c'était crise qui était gagnée dans la société, c'était crise qui était gagnée dans la classe politique là, qui était fait les États-Unis, était venu occuper Haïti. Et deuxième occupation Haïti et par les Américains qui était faite en 1994, c'est toujours crise qui était gagnée et dans le pays qui fait les États-Unis, était venu occuper.
Donc, depuis lors, pas une présence physique les États-Unis. Mais les États-Unis ont un regard particulier sur Haïti, bien que le regard ça a sur Haïti, nous parlons qui résultat véritable, les bails, l'un considéré conditions sous-développement pays, l'un considéré souffrance population, l'un considéré absence d'infrastructure, absence de structure qui gagne dans le pays. Donc, nous, présence des États-Unis et dans toute affaire interne pays d'Haïti, pas vraiment porté quelque chose de nouveau, mais pas vraiment porté un changement dans la situation nous gagne actuelle. Donc, qui ça qui est à la base sous Crisario? On dit quelque part, c'est insouciance de tout acteur qui concerné dans l'activité politique. C'est insouciance qui fait crise, par exemple, suspendre dans le pays. Donc, on dit le plus souvent, j'ai le Crisario, je ne sais de monde qui a goûté pour intérêt, soit intérêt parti, soit intérêt clan, ou bien intérêt personnel. Donc, l'OEA lui-même, qui sont organisation hémisphérique, qui c'est organisation des États américains, donc Haïti fait partie. Donc, yo même yo ouais sont impératifs pour présent dans le pays, dans l'idée pour ouais comment on peut mettre tout haïtien qui concerné dans la crise là chita ensemble pour joindre une solution qui pour permettre élection réalisée dans fin année 2021. Donc là nous ouais avec présence OEA dans le pays, il y a un pile et parti politique ou du moins un pile acteur qui concerné dans la crise là ont été jugés bon pour chita discuter avec délégation OEA, mais qu'on ça tout joindre de l'autre qui normalement catégorie qui ont dit au pape chita avec OEA au pape discuter parce que pour eux-mêmes ils ont reproché OEA le fait que depuis le président Jovenel Moïse monté sous pouvoir OEA était toujours pour une position pour la gestion de monsieur Moïse. Donc eux-mêmes ils ont estimé et OEA pas gagné parce que au prime abord OEA déjà penché dans un bord. Faut nous rappeler délégation OEA qui entrée dans le pays, hein? Donc c'est suite à une résolution conseil permanent et OEA te prend pour que gagne de experts, gagne de bon délégation qui entrée qui composée d'ambassadeurs, d'experts, etc. Donc c'est pas des employés OEA qui présent dans cadre visite ça, mais de préférence son commission directement constituée pour venir chita discuter avec différents pour voir dans qui façon capable d'une solution avec cela. OEA il était rencontré avec pouvoir exécutif là et par le biais du président de la République Jovenel Moïse, il était rencontré tout avec différents acteurs et qui concernaient dans la classe politique là. Donc qui ça qui était gagné comme contenu dans différents rencontres OEA était organisé avec acteurs politiques. Pour l'exécutif, rencontre liée avec OEA était chita principalement sur l'organisation des élections, la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Donc là, président Jovenel Moïse, li clair, c'est sous point ça où il était chita discuter avec délégation OEA. On l'autre côté, nous jeunes OEA était chita discuter avec un secteur dans classe politique là, ça n'est et secteur modéré hein, qui gagne là-dedans et de partis politiques comme MTV Haïti de Reginald Boulos. Nous gagne tout Diopod qui gagne un paquet de partis politiques là-dedans, donc OPL et Mokrena, AA, Unité, etc. Donc rencontre OEA avec un parti dans classe politique là, yo te chita principalement sin ka kwè une série de leaders qui t'a participé dans parmi yo nous ka cité Yuri la Tortue ou du moins Jerry Tardieu, yo même yo te clair dans rencontre yo te gagné avec délégation OEA. Donc pour eux même présence président Jovenel Moïse sous pouvoir son action anticonstitutionnelle parce que estimé et c'est ça représenté by délégation OEA, yo estimé et mandat président Jovenel fini depuis le 7 février 2021. Donc, on a de l'autre côté et opposition radicale lui-même qui vient là-dedans et secteur démocratique là avec un pile l'autre encore. Et eux-mêmes, ils ont été boudés en compte OEA et Sinka Kwe Saoudi, ils ont été cohérents par rapport à la position qui, d'ailleurs, pas reconnaître Jovenel Moïse comme président. Donc, là, on vient de une opposition à plusieurs têtes. Côté position, ils ont divergé et ça tout qui vient créer de difficultés dans le cadre d'une issue à la crise qui a brassé mille. Parce que acteurs qui sont en opposition radicale, c'est des extrémistes. Et d'ailleurs, ils ne disent pas faire back sous position. Donc là, ils sont capables d'être extrêmement difficile pour que tu aies gagné un accord entre différents acteurs. Délégation, on dit délégation OEA pour quitter le pays. D'ailleurs, c'est le 10 juin pour quitter le pays. Donc, ils ont parlé avec qui sentiment? Est-ce que vous allez satisfaire de visite que tu as fait en Haïti côté de te gagner une mission, côté où tu as gagné une mission pour mettre acteurs chita ensemble, pour joindre un accord et éventuellement pour élection qu'a organisé dans le pays? Donc est-ce que vous satisfait? Nous beaucoup parce que vous poko fait en quelle déclaration sur ta différents comptes vous te gagné avec acteurs politiques. Mais une chose est sûre, c'est que joindre un accord entre différents acteurs, c'est pas pour vous dire parce que y a un côté opposition qui campe sous position.
on l'autre côté on a besoin de pouvoir qui campe sous position. Donc et pas oublier opposition son opposition plurielle. L'homme dit pluriel, ça veut dire il y a un côté où j'ai une opposition modérée et l'autre côté a où j'ai une opposition radicale. Là on dit nous avons opposition à deux têtes dans le pays et chaque acteur ça yo yo campe sous position yo dire pas faire back et population lui-même il continue à faire les frais. Et qui position OEA et qui position délégation qui t'a pris en compte différents acteurs yo, bien que yo poko exprimé yo clairement après délégation OEA qui était présent dans le pays hein, le plus favorable pour le respect des principes démocratiques dans le pays hein, et en ce qui a trait à l'organisation des prochaines élections. Donc là on joint on dit trois acteurs qui sont censés concernés dans cadre discussion ça t'a fait dans dernier jour ça yo, ou joint un côté exécutif là, ou joint un autre côté l'opposition pluriel. Faut nous toujours ajouter parce que nous n'avons pas une seule opposition dans le pays. Et c'est une bagarre qui fait, faiblesse opposition ça nous aujourd'hui. Et c'est tellement vrai, on voit depuis tantôt 4 ans, il y a goumé contre un président, il a fait toute manœuvre, on dit c'était du jamais vu, ensemble de stratégies opposition qui mettait en place pour chavirer le président Jovenel Moïse sous pouvoir. Malheureusement, pour eux-mêmes, ils n'ont pas réussi. Et une cause qui fait qu'ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'ont pas une tête ensemble entre eux pour être capable chavirer le président Jovenel Moïse sous pouvoir. Donc là, on a lui-même l'éclair, c'est l'élection qui peut organiser. Donc là, nous sommes capables de chaque monde était sous position. Gouvernement en bas, opposition en bas, OEA en bas, et puis le président lui-même l'a perduré. Il y a une échéance qui pourrait arriver sous nous. Donc on va pouvoir position différents acteurs à faire payer, partir plus dans la boue, côté de la possibilité pour l'international traiter Haïti de tous les mots pour traiter de l'État paria, de l'État en faillite, etc. Donc normalement nous et Haïti journée aujourd'hui son pays qui à la dérive, son pays qui a tout fait et une principale cause tout déboire ça, une principale cause tout problème ça, on dit c'est acteurs politiques, c'est classe politique là mélangé avec gouvernement qui va jamais cap développer une formule pour chita pour discuter dans l'intérêt population. Donc nous pas veut long, n'a dit merci parce que tu as accordé nous petit temps pour tendre nous. Non, pas M. Wilson Octavius, n'abzou à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.